suis un artiste guadeloupéen, majoritairement hip-hop, avec beaucoup d'influences reggae, dancehall, okay. reggae aussi. Okay. Et voilà, je fais de la musique depuis, je sais pas, une bonne dizaine d'années, je sais pas exactement, je peux regarder. Un artiste, des Sizzla, si je dois nommer, ouais, Sizzla, Tupac. Ok. Et beaucoup, j'écoute beaucoup d'underground, j'ai beaucoup écouté l'underground, majoritairement de l'underground. Donc après, il y a beaucoup d'artistes comme Curtis, des books comme Yak, j'aime bien, Wiki G, il y a un paquet de gens que j'écoute quoi. Okay. Et après, sinon, c'est rap US, américain. Pour tout ce qui est hip-hop, en tout cas, je suis plutôt old school. Mm-hmm. Dancehall aussi. Dancehall okay. aussi. Okay. Mais bon, après, j'écoute tout ce qui se fait actuellement, que ce soit rap ou dancehall. Mais après, mes goûts, mes préférences vont vers le old school, quoi. Même si ce qui se passe maintenant, new school, il y a du bon son aussi, donc... Bon, tout ce qui est rap... Rap en tout cas, je sais pas, moi j'aime bien le rap conscient avec des... Bon, les lyricistes, j'aime ça. Ok. Après, maintenant, avec le trap, tout ça, la vibe actuelle, c'est plus beaucoup de bullshit. Après, chacun son trip, quoi. Chacun sa musique. Moi, le regard que j'ai là-dessus, j'aime chaque vibe, en fait. Chaque vibe a des trucs positifs, apporte des trucs positifs à notre mouvement. Ok. Que ce soit dancehall ou hip-hop, quoi. New school ou old school, ça peut se mélanger plus ou moins. Après, il y en a qui suivent des chemins un peu douteux, mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, niveau musique, moi, ce qui se passe actuellement, ça me plaît. Il y a des sonorités que j'aime bien quand j'écoute l'album de Kendrick Lamar, là, au Kadako, tu vois, là. L'hip-hop actuellement, je trouve qu'il se porte bien, quoi. Après, pour ce qui est hip-hop français, hip-hop aussi, j'écoute pas trop l'hip-hop français. Voilà, donc après, j'ai pas trop d'avis sur la chose. Ok. La musique, là, c'est... Une profusion de thèmes, un monde à l'enfer. La musique pour le pain, le pas de trêve, les plumes s'affairent à retranscrire nos pensées. On vient témoigner des routes qu'on a tracées. Imprimer les messages sur nos feuilles sans cesse inspirer. Le temps n'a cesse, j'suis sur ma planète. Cocktail de dièse, un mix complexe. Acoustique, panel, artistique, sans mêle. Éclectique, rebelle, la femme qu'on est qu'un tel. Acte absolé, dont le reste on aime notre musique. Transiter les messages positifs. Maîtriser les mots, les rendre intrusifs. Modeler les phrases histoire que ça kick. Réprime mes envies d'infraction. Amalgame de pensées de vision. Au son du bête, faculté sans limite. La seule vision du mal me rend égoïste. Dans le mouvement underground, comme je disais tout à l'heure, avant j'écoutais majoritairement que ça, 90% j'écoutais du underground. Mm-hmm. J'ai arrêté d'écouter l'underground quand c'est passé Money Money. Mm-hmm. Enfin la vibe en tout cas. Parce que après bon. Le message qu'il y avait dans le mouvement, ça me plaisait plus trop spécialement. Okay. Et après, j'ai continué à suivre les artistes que j'ai eu l'habitude d'écouter avant, qui étaient, voilà, quoi, quand les gens que j'aimais bien sortaient un son, j'écoutais leur son. Mais après, pour de là dire que j'essayais de chercher de nouveaux artistes dans l'underground et essayer d'écouter ce qui se passe. Mm-hmm. Je t'avoue, non, je suis plus concentré sur ma musique, c'est de développer mon truc. Ok. Ouais, j'écoute plus trop ce qui se fait autour de moi, en tout cas, dans l'underground, quoi. Dans United Lion Prod, j'ai commencé à collaborer avec en premier Big Bud par le biais de DJ Skies. Ok. Et okay. Donc du coup, ça m'a amené à check Shiva et son frère. Okay. Que j'ai déplacé vers London. Donc du coup, Shiva était là-bas. On a okay. travaillé ensemble avec okay. d'autres artistes comme Vito, Andy, B2B et Ngoni. Okay. On a travaillé un petit peu ensemble. On a fait quelques clips, des trucs sympas, freestyle, des scènes, des open mic, que ce soit au carnaval ou dans des bars, voilà, c'est sympa. Okay. Et ici, après, sur la métropole, j'ai travaillé avec Hacker, qui est sur Paris. Okay. Et avec Big Bud, Kenman, Andy Miller, qui est sur Toulouse. Okay. Et avec Lion White aussi, on a une participation de Lion White, et ben voilà, tu vois, ici maintenant, à Toulouse, Discorsi, tranquille, voilà. La musique, de toute façon, c'est un combat, tout le monde le sait. Si la passion est là, ça continuera. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler. Si on travaille pas, il n'y aura pas de résultat. Sorti de là, essayer d'arrêter de faire des bullshit. Essayer d'utiliser le support qu'on a pour faire passer un bon message. Spread the love, aille plus loin. Ok. Tu vois. Ok. Essayer d'utiliser la musique comme
instrument pour porter notre message, essayer de faire les choses évoluer au lieu de faire des bullshit. Après, voilà, donc ça c'est la vibe que j'ai envie de donner là. Je vais essayer de continuer la musique, essayer de faire le mouvement évoluer vers le positif. Okay. Même s'il y a de l'originalité, c'est ça le truc, le délire, l'originalité, c'est ça qui fait évoluer le mouvement. Donc arrêtez de critiquer un tel pour l'originalité, essayer de faire son taf, faire évoluer le truc. Et voilà. Ok. Et je ne peux plus m'en séparer. J'en aime trop les notes, la musique réconforte et apaise. Je dois rester éveillé. Trop speed est la réalité. Je ne peux plus m'en séparer. J'en aime trop les notes, la musique réconforte et apaise. Je dois rester éveillé. Trop speed est la réalité. Yo, United Lion Prod, au présent. Bon, des projets, toujours continuer de faire de la musique. Okay. J'avais des projets de sortir un album, tout ça. J'ai essayé de me, peut-être donc moins se me concentrer là-dessus, plus rentrer sur essayer de faire du son, le son qui me plaît, quoi. Après, si j'ai des possibilités, et que ça amène un album, que ça amène des scènes, on verra. Mais pour le moment, je vais juste peaufiner mon son et faire en sorte que la qualité soit toujours présente, quoi. Ok. Et après, okay. En fonction de ça, s'il y a un projet qui vient, ça se fera. Mais je ferai jamais un projet en détriment de la qualité, en tout cas. Et ben, je leur envoie tous une force. J'essaie de faire de la musique pour essayer de changer les vibes des gens, changer la mienne en priorité. Mm-hmm. Et après, si j'arrive à véhiculer un petit truc de positif dedans, c'est ce que j'essaie de travailler actuellement. Okay. Et plus sur le négatif. Okay. Donc si ben, c'est cool, je leur envoie la force et voilà, toute cette force-là, ça fait que United avance, que les chanteurs avancent, qu'on vit notre délire, qu'on vit notre passion. Après, on vit peut-être pas de notre passion, mais en tout cas, on la vit. Mm. Donc c'est l'important à la base. Okay. Donc voilà, essayer de continuer à nous big up. Et on va essayer de faire des vrais sons, et on fera des vrais sons comme on fait déjà des vrais sons. Donc voilà, on va continuer le taf pour essayer okay. de leur faire plaisir. Et voilà, continuer quoi. Big up à toute l'équipe de ULP et puis à tous les frérots partout que j'ai pas l'occasion de voir ou que j'ai l'occasion de voir. De toute manière, ils sont dans les sons, il y a les vagues dans les sons. Donc big up à tout le monde et voilà. Enfin, c'est toujours spread the love. Ok. United.